Et salut les gens, c'est Grand Corbeau et bienvenue dans ce 8ème et sublime épisode de la série Folie en boîte. Alors ce que je vous propose aujourd'hui, c'est une machine qui va vous permettre d'infléchir sur le temps, à savoir en le ralentissant, en l'accélérant ou en lui rendant son état normal. Et cela grâce à une chronomachine. Donc pour faire apparaître celle-ci, comme d'habitude, rien de plus simple, on se donne un command block avec la commande slash give à nous-mêmes un command block. On pose notre command block, on y colle à l'intérieur la longue commande que je vous aurais mis dans la description. On appuie sur entrée, puis on pose un bloc de redstone juste à côté pour faire apparaître toute la machine. Juste de ce côté, je me suis gouré de côté. Comme d'habitude, en haut, un petit timer start qui tourne. S'il tourne, c'est que la machine fonctionne, et s'il ne fonctionne pas, enfin, et s'il ne tourne pas, c'est que la machine ne fonctionne pas, puisque je me rappelle qu'il n'y a pas de set world spawn dans la machine. Juste ici, on peut cliquer pour obtenir la recette des différents crafts qui nous redirige vers un site sur fr-minecraft.net avec toutes les inscriptions que j'ai pu mettre à ce propos-là, puisque en fait, il n'y avait pas assez de place dans la one command. Et sans plus attendre, on va tout de suite passer au craft de tous les éléments qui seront nécessaires à l'apparition de la chronomachine. Pour crafter le contrôleur de temps, vous aurez d'abord besoin d'un chronocraft. Et pour crafter ce chronocraft, vous aurez besoin notamment d'un distributeur, d'un dispenser, je dis bien dispenser, ça ne fonctionne pas avec les droppers, d'un bloc de verre noir, de 4 blocs de fer et d'une torche de redstone. Vous n'avez qu'à jeter tout ça au même endroit, et bien pour crafter un œuf qui va, une fois posé, vous permettra d'avoir un chronocraft. Bien sûr, si vous vous trompez et que vous ne voulez pas placer le chronocraft ici, en fait ce sera le centre du contrôleur de temps, c'est-à-dire que le contrôleur de temps se générera autour de ce chronocraft, et bien vous n'aurez qu'à le casser simplement avec une pioche pour et bien récupérer un œuf et pouvoir le poser exactement là où vous le désirez. Nous allons donc poser immédiatement notre petit chronocraft comme ceci. Bien sûr, en survie, vous n'avez droit qu'à une seule utilisation de cet œuf, mais en créatif à plusieurs. Et ensuite, il suffit simplement de rentrer dans l'interface du chronocraft et de mettre dans les coins de celui-ci 4 blocs de quartz simple, dans les vides, laisser entre ceux-ci 4 blocs de verre bleu comme ceci, et enfin au centre, une cloque parfaitement normale. On sort immédiatement de l'interface, c'est automatique dès qu'on a posé tout ça. On a ensuite qu'à s'éloigner et hop, on a une magnifique petit contrôleur de temps qui apparaît à l'emplacement et vient de notre chronocraft. Et nous allons maintenant voir quels sont les modes, quelles sont les modifications que cette petit contrôleur de temps nous apporte. Commençons par le premier mode, à savoir le mode rapide. Pour l'activer, il va vous suffire de faire un clic droit sur l'item qui se trouve au centre de l'item frame. Bien sûr, inutile de faire un clic gauche, ça ne marche absolument pas, il est invulnérable. Donc on fait un clic droit et attention, hop! Nous passons actuellement en mode rapide. Dans ce mode rapide, déjà de 1, toutes les plantations poussent beaucoup plus vite que la normale. Donc vraiment, vraiment plus vite. De même, le temps... vraiment plus vite. De même, le temps, lui, passe 5 fois plus rapidement qu'il ne devrait le faire en mode normal. De plus, c'est aussi le cas de toutes les entités, y compris nous, qui sommes affectés d'un effet de speed de niveau 2. De même, en mode survie, on casse les blocs extrêmement plus rapidement qu'avant. Comme vous pouvez le voir. On va bientôt passer à la nuit, j'espère. On va l'accélérer un petit peu. Time set night. Hop. Et quand les mobs vont spawner, vous verrez qu'ils ont tous une certaine rapidité. Normalement, si tout se passe bien. Il faut savoir que nous, on a un effet de speed 2 et que, eh bien, c'est la même chose. Donc vous voyez qu'il me poursuit beaucoup plus vite qu'il ne devrait le faire normalement. Mode suivant. Nous avons donc juste après le mode lent. Pour ça, comme d'habitude, pour l'activer, eh bien il suffit simplement de faire un clic droit sur l'item au centre de l'item frame, bien pour passer au mode lent. Hop, comme ceci. Alors ce mode lent, plusieurs caractéristiques. Déjà, de 1, on a un effet de lenteur absolument détestable, un effet de lenteur de niveau 2. Ensuite, tout ce qui pousse, tout ce qui est affecté par la game rule random tick speed est nettement ralenti, ce qui signifie que toutes les plantations vont pousser beaucoup plus lentement. Ensuite, le temps est littéralement figé, ça veut dire que le ciel restera exactement comme il était au moment où vous avez fait un clic droit pour passer en mode lent. Ensuite, évidemment, tous les blocs que vous casserez, eh bien ça prendra beaucoup plus de temps pour les casser, même avec une pioche en diamant, avec effet de sorcier, etc. Ce sera toujours extrêmement lent. Et enfin, si nous on est affecté par l'effet de lenteur, c'est également le cas de toutes les autres entités. Et une autre petite caractéristique, si on fait apparaître par exemple une araignée, hein, c'est un mob au pif, et qu'on le frappe, vous constaterez qu'on ne peut le frapper que toutes les 2 secondes, même si on clique comme pas possible. Voilà, je le refais, hop,
Là, je clique en boucle au même moment et je ne peux la frapper que toutes les 2 secondes, ce qui est absolument détestable. Alors que elle, bien sûr, peut me taper autant de fois qu'elle le souhaite. Je vais essayer de ne pas mourir, ce serait vraiment, vraiment cool, cher ami. Voilà, bon. Mode suivant. Et à présent, le dernier mode, simplement le mode normal. Il vous suffit de faire un clic droit sur l'item qui se trouve au centre de l'item frame. Et bien, pour perdre la totalité de vos aptitudes, pour laisser tout ce qui concerne l'agriculture repousser à une vitesse tout à fait normale, pour laisser le temps, et bien, comme d'habitude, s'écouler exactement comme il le devrait. Et voilà. En gros, c'est tout. En fait, le mode normal, c'est simplement un retour à normal où vous perdez absolument tout ce que vous apportait le contrôleur de temps. D'ailleurs, pour détruire celui-ci, tout ce que vous avez à faire, transition magnifique, eh bien, vous n'aurez qu'à casser le bloc de verre rouge qui se situe juste derrière l'item frame, eh bien, pour casser le contrôleur de temps. Parfait. Eh bien, maintenant, nous allons passer à la destruction de la machine, de la chronomachine. Pour détruire la machine, rien de plus simple, il va vous suffire de faire un clic droit sur le panneau du bas, mais... Au passage, je tiens à vous avertir que cela va éliminer automatiquement tous les contrôleurs de temps qui seraient apparus dans votre monde. Et d'ailleurs, bien sûr, ceci, j'ai oublié de préciser, si vous tournez un mode, par exemple, vous passez en mode rapide, vous avez tous les contrôleurs de temps qui sont modifiés au même moment. Donc, on va tout de suite supprimer la machine, comme ceci, hop. Au passage, tous les contrôleurs de temps disparaissent. Et on a évidemment plus de... Scoreboard, objectif, liste, on a évidemment plus d'objectifs dans le tableau des scores. Bref, merci à tous d'avoir regardé la vidéo, j'espère que ça vous a plu, j'espère que vous vous amuserez bien avec ma petite chronomachine, et on se retrouve la prochaine fois dans un prochain tutoriel. Tchou les gens !